Bonjour, Catherine de la Maison des familles, parents bénévoles. Aujourd'hui, on va préparer un savon à lessive maison. J'ai trouvé la recette sur Internet. Malheureusement, je ne peux pas vous dire ma source parce que je l'avais trouvée. Ça m'avait été envoyé comme ça. Pour les ingrédients, ça prend des huiles essentielles au choix. Je peux pas vous dire la quantité encore parce que dans le fond, moi, j'y vais un peu à l'œil, selon à l'odeur là, de la quantité que je fais. Ce que je vous suggère, c'est peut-être d'en mettre comme une soixantaine de gouttes de la sorte que vous désirez. Puis, peut-être mélanger, avant la première utilisation, mélanger votre peau. Puis, sentez, voir est-ce que ça sent suffisamment ou vous trouvez que ça sent pas beaucoup, vous pourrez en rajouter au goût. Mais au moins une soixantaine de gouttes parce que c'est quand même 4 litres d'eau. Donc, des huiles essentielles, un quart de tasse de cristaux de soude, un quart de tasse de borax, une demi-tasse de savon de Marseille, râpé ou en petits morceaux là, fin. 1 litre d'eau pour la cuisson et 16 tasses d'eau froide dans une chaudière. Moi, j'ai déjà pré-rempli ma chaudière par terre, vous ne la voyez pas, mais j'ai déjà mis mes 16 tasses là, d'eau à l'intérieur. Puis, il faut que ce soit de l'eau froide dans le fond parce que ça va être là que ça va permettre de mélanger tout ensemble. Donc, dans ma casserole, dans mon chaudron, j'ajoute ma tasse d'eau, mes 4 tasses, pardon, d'eau. Et je la fais chauffer. Je la fais chauffer à feu moyen. Et j'ajoute les cristaux de soude, le borax et le savon de Marseille. Et je les laisse se dissoudre complètement. Donc, c'est une petite étape qui prend un peu plus de temps. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Puis, je profite de ce temps-là pendant que je prépare mes ingrédients pour vous dire que les ingrédients, une fois dans votre gros bidon de 4 litres, moi, j'ai pris une vieille bouteille d'eau, là. Dans votre bidon de 4 litres, dites-vous que à chaque utilisation, il faut vraiment brasser. Parce que ça a tendance à se séparer un peu. D'ailleurs, je peux, si vous voulez, pendant que ça commence à chauffer, je vais aller vous chercher un pot que j'ai déjà préparé pour vous montrer à quel point ça se sépare. Donc, vous voyez au fond de mon pot, je ne sais pas si vous voyez bien, quand je bouge un peu peut-être, là, ça fait vraiment un petit fond. Donc, quand on le mélange, juste un peu comme ça. Ça n'a pas besoin d'être mélangé par part, mais ça permet juste, dans le fond, de tout remélanger ensemble, puis vous allez être sûr qu'au moins votre savon à linge va être efficace. Moi, j'ai commencé à l'utiliser il y a un certain temps, puis vraiment, je suis très satisfaite. Mon linge est vraiment très propre. J'utilise mon papier de toilette maison lavable. Jamais de problème d'odeur, de... J'ai même des cochons d'Inde, en fait. Puis je les utilise. J'utilise une couverture en dessous. Puis je fais juste mettre un petit peu de percarbonate de soude dans mon lavage en plus. Puis j'ai jamais de problème d'odeur non plus. Ça le nettoie vraiment bien. Dans votre chaudron, je vous dis, le borax et les cristaux de soude ont tendance à aller se coller dans le fond. Donc, prenez la peine de bien brasser là, pour être sûr que ça ne fasse pas des cristaux dans le fond collés dans votre poêle. Le savon de Marseille est un petit peu tannant, est un petit peu long à fondre. Alors, une fois votre mélange dans le chaudron bien fondu, vous allez m'entendre, mais vous ne verrez pas le temps que je verse dans ma chaudière mon mélange. Et voilà. Je vais vous monter ça pour que vous puissiez en fait voir un peu. Personnellement, j'utilise une grande cuve.
et ma chaudière pour faire mon mélange. Puis ensuite, je vais mettre mon pot de 4 litres dans la cuve pour verser. Ça, on évite un peu des dégâts. Vous pouvez le faire dans votre lavabo, chose. Donc, on ajoute les huiles essentielles. Un dernier petit mélange tant que ça se refroidisse, que ça soit bien bien intégré tout comme il faut. On transfère dans la chaudière. Dans le bidon. Moi, la première fois que j'en ai fait, là, j'en avais déjà fait. Donc, c'est pas la première fois, mais comme je disais, j'avais récupéré des petits pots de savon à linge. J'avais même récupéré un gros pot Costco de savon à linge, rincé-lé comme il faut avant, là. Mais c'est ça. Ça permet, si vous en avez déjà, qui sont presque finis, ben, dans le fond, vous les terminez ou les transférez, puis vous rincez votre pot comme il faut, vous le laissez sécher, puis après, vous allez pouvoir l'utiliser. Pour votre savon à linge, à vous, je vois que j'ai encore quelques copeaux de savon de Marseille. Moi, je n'ai pas été assez patiente. Ça va quand même être très efficace, j'en suis certaine, mais c'est ça. Attendez vraiment que vos copeaux de savon de Marseille soient bien fondus. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, oui. Ce que vous voyez, là, c'est surtout de la mousse. C'est pour ça que je le mets dans une chaudière ou dans le lavabo, parce que la mousse peut faire un peu comme un effet volcan. Ça peut être le fun à voir avec vos enfants, mais... moins une fois, on a ramassé sur le comptoir. Voilà. Donc, je vais terminer de le remplir dans un autre chaudière, mon mélange, parce qu'il en reste encore, mais mon pot, beaucoup trop de mousse. Alors, amusez-vous avec les huiles essentielles qui vous intéressent, les parfums que vous aimez, puis dont lavage. Au revoir.